ever had a nightmare. Attention aux zombies. Salut à tous, c'est Protoxic. Bienvenue sur la chaîne Zombie Survival Horror Paranormal. Et là, on tue du zombie. Je suis avec Dead Far Cry. Salut à toi. Salut mon cher ami. Depuis le temps qu'on devait se faire. Ah oui, qu'on devait se faire du 7 Day to Die. Donc, on se retrouve pour le premier épisode en coop, hein, justement, que je ferai avec Dead Far Cry. Donc Dead Far Cry, depuis mes 50 premiers abonnés, je faisais du Apoc Z à l'époque avec lui. Hein. Ça fait 2 ans qu'on se connaît et j'ai fait plein de vidéos avec lui sur différents jeux. Donc, on a trouvé un petit coin. Et Dead, qu'est-ce que t'as prévu là, un petit peu qu'on fasse là, qu'on s'établisse, qu'est-ce qu'on fait? Là tout d'abord il faut une pierre de plus parce que sinon j'ai pas d'âge en pierre et ça serait ballot. Ouais. Et ensuite de toute façon il y a une petite maison pas très loin d'ici que j'ai déjà commencé à améliorer. Améliorer ouais. Attends. J'aimerais bien fouiller les bâtiments de la marina. Pour finir de tuer les zombies. Ouais attends, je veux que tu aies vu une de pierre. Il se relève le con. Il se relève. Oh putain le salopard. Attends. Il va crever ce... Ah, il est enfin mort. Frappe plus la tête. Voilà. Du coup, regarde, les escaliers de la marina sont buggés, on peut pas monter dessus. T'arrives à monter? Je vais essayer de l'autre côté. Ah, ouais, ok. Ah, ils sont buggés aussi. Putain. Ouais, donc, faudrait c'est faire un une structure. Qui est arrivé à... c'est un bug qui est arrivé avec les ponts. En fait, il y a l'Alpha 13, je crois. Merde. Il y avait un bug lié au pont. Ah ouais. Et du coup, ça fait que quand on traversait un pont, le pont il se brisait. Parce que, bon, là ça va être un petit peu costaud à casser. Je vais. Le mieux c'est de fabriquer une structure. T'en as des structures sur toi, tu les poses et on monte dessus. Non, mais je te dis, j'ai même pas de. Ah, c'est bon. J'avais même pas de quoi me faire une hache. Bon, en fait, je suis chargé sur moi. Ah ouais. J'ai trop de trucs. Attends, je vais fabriquer une structure et puis on va monter là-dessus. Alors, vite structure. Okay. Tu veux pas d'abord vite fait qu'on aille à la maison. Notre matos et on revient ici. Ouais. Alors je vais juste faire un passage. Je crée un passage. J'ai juste de quoi faire. Voilà. Moi le temps, je vais plier les zombies que je vais tuer juste avant. Voilà. Logiquement, on pourrait passer là. Si on monte sur le bloc, voilà. Bah c'est bon, une a suffi. Comme ça on pourra explorer tous les bâtiments. Hein. Va falloir poser ça dans un. Au stuff. Au coffre. Alors toi je te vois, t'es là. Hop. Ouais, moi j'ai encore un peu de place, alors attends. Je vais me faire de la place. Moi je récupère des morceaux de tissu en démolissant les tentes. Hein. Parce que oui, en démolissant les tentes dans 7 Day to Die, on récupère des morceaux de tissu. Oui, il y a du tissu, ouais. Bah oui, oui. Je vais avoir besoin de tissu justement pour faire des vêtements. Attends, je vais placer le sac. Ah, vas-y, il s'est cassé la peau. Et je le reprends, voilà. Tiens, il y a un cadavre. Il avait des balles, il avait plein de trucs bien lui. Cool, massue à poids de barbelé, ça c'est bueno. Ouais. Des bocals aussi, c'est bueno. Et un canon de fusil de chasse. Malheureusement, j'ai pas assez de place. Du coup, t'as carrément trouvé un fusil? Non, juste le canon du fusil. Ah. Tiens, si je pète la glacière, je vais avoir quoi? Rien. J'ai une marmite, c'est bon, c'est cool. On a même un sac de couchage si tu veux. Ouais, mais de toute façon, ça va nous demander l'IAXL va nous demander de le craft et de le poser, donc je préfère attendre qu'il me demande de le craft et que je le pose, comme ça me fera des points de compétences supplémentaires. Et ça me permettra d'améliorer plus rapidement la base et d'avoir de l'équipement de meilleure qualité. Il y a une crosse de pistolet s'il te reste de la place dans l'inventaire. Moi je vais faire du tissu pour me faire de la place. Non, j'ai plus de place dans l'inventaire. Ouais. Bon attends.
On va fabriquer la totale. Ah, ça, je vais le prendre et je vais le tout, hop, recycler. Voilà. Le chapeau, bah adieu le chapeau. Je vais pas prendre le chapeau vu que j'ai un casque de mineur. Tiens, il y a encore une zombie là. Oh, soupe de poulet, ça c'est. Tu manges jamais les sandwichs pourris, toi hein? Non, il faut pas, il faut absolument pas, sinon tu vas avoir la dysenterie et c'est pas très bien pour le corps. Tiens, la chair pourrie, je vais la balancer. Donc je vais au moins prendre la soupe là. Voilà. Sinon, à part ça, j'ai plus assez de place pour le morceau de tissu. Bah moi je peux hein. Je crois tiens, que je peux. Les morceaux de tissu ici. Attends, moi je vais me débarrasser d'un bandage. Voilà. Bon, voilà. On va se prendre la gavette de tissu. Tu veux tout récupérer d'un coup. Ah oui, tu pètes la base. Tu vas tirer Y. Non, tu vas tirer Y pour récupérer tous les morceaux de tissu qui sont par terre. Ah, ok, ah oui, les morceaux, ouais. Ah oui, je me demandais ce que c'était que ces trucs. Voyons voir, donc il y a aussi du coton, hein. Bon, c'est vrai que le tissu, c'est pas mal. Ouais, mais le coton, ça ne sert à rien pour l'instant. Le nitrate ici, on le laisse, on viendra récupérer plus tard. Ouais, on viendra plus tard. Alors attends, je vais en profiter pour manger là. Conserve de chili, je remonte un peu ma santé. Ensuite, la soupe de poulet. Je remonte ma soif avec, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre à manger encore? C'est tout. On va remanger une soupe. Hop, les rations d'agneau, je bouffe. Voilà. J'ai de l'eau en bouteille, mais je la garde si je dois faire cuisiner d'autres trucs. Hein. L'eau trouble en bouteille. De toute façon, moi j'ai des bocaux à aller transformer en eau trouble. Ouais. Et on va pouvoir tout simplement le transformer en eau en bouteille. Bah, attends, tu sais, il y a des sacs de couchage par terre. On peut peut-être récolter quelque chose avec là. J'ai eu de la fibre. Au lac qui est juste en face de nous. Ah bah t'es un nid d'oiseau, du bois qu'il y a. Oui. C'est génial, on a trouvé des œufs, on va pouvoir se faire. Ah des œufs enfin, ouais, bon bah c'est cool. Tiens, il y a un cerf juste à gauche là. Là ici juste en face de moi il y a le lac. En plus il est immense. Ah ouais ouais. Alors attends, moi je vais ramasser du. Je perds pas de temps, je vais ramasser des cotons. Oh, putain, il me saoule avec ça. Voilà, bon. Vas-y viens. On va à la baraque. Ah, un fer. Alors, pour la baraque, tu passes par où, toi? Attends, heureusement que... Tiens, petit tuto pour ceux qui sauraient pas. Comment faire quand vous jouez en coop? Oula, il y a un zombie. Attends, on va se faire le zombie avant. Je vais le faire. Voilà, je vais... tiens, protège-moi, voilà. Je vais montrer comment ça se passe quand vous jouez en coop. Vous créez une partie privée. Une fois que vous créez une partie privée, vous invitez votre ami à jouer. Ensuite, faut appuyer sur... vous restez appuyé sur Select. Vous allez sur son gamer tag, par exemple Dead Far Cry, et vous allez sur le plus. Plus, ça l'ajoute en ami. Une fois que vous avez fait plus, voilà. Vous cliquez sur pister. Non, il faut d'abord que l'autre joueur accepte. Oui, il accepte aussi. Bah, tous les deux mutuellement, vous acceptez comme ça, plus. Et ensuite, vous faites pister. Et il apparaît tout le temps sur ma boussole. Je vois tout le temps la petite flèche là au-dessus de sa tête. Vous voyez la flèche là? Voilà, il apparaît, je sais qu'il est dans cette direction. Voilà, donc, offre ton sac à dos. Attends, je vais te prendre en photo. Bouge pas. Il y a juste un cerf derrière toi. Ouais. T'essayes de l'avoir de là. Je vais essayer de le rusher. Non, cherche pas à le rusher. Regarde. Oh putain de bâtard. J'aime bien, c'est quand il se coince. Avec l'arc et la flèche bordée. Ouais. J'aimerais qu'il se coince, ce salaud. Ah, je l'ai eu. En plus, j'ai des news, des infos concernant la Alpha 15, donc... Ah ouais, bah vas-y. Oui, parce que... Faut savoir, petite anecdote sur moi. Quand Protoc qui jouait encore à la 360 à l'époque, ouais. Avec moi sur Apoc Z ou le Let's Play, Roleplay, qu'on devait continuer sur la boîte, mais pour l'instant, on peut pas, puisque j'ai pas le jeu encore. Ouais. Donc, quand on jouait encore à Apoc Z, ben tout simplement je lui donnais toutes les infos des news qui allaient avoir des mages et tout ça et tout, ouais. Mise à jour tout ça, ouais. Le nom de d'informateur pour Protoc. Et ben tu me tiendras au courant pour State of Decay 2 aussi hein.
Ouais, bah dès que j'en serai plus, hein, comme ça. Ouais. Bon, c'est ça la maison alors? Parce que ça me sert à rien. Bah elle est juste à côté de toi. Ouais. T'as un petit chalet, tranquille. Sympa, hein, franchement, le chalet. Donc, voyons voir ce chalet. Donc déjà, j'ai la marmite. Est-ce que t'as fait un feu de camp? Non, je vais le craft une fois que j'aurai, que je me serai débarrassé de tout ce qui ne sert à rien pour l'instant. Ouais, là, j'ai trop de trucs sur moi. Je vais devoir je vais me faire un coffre. Alors, attends. C'est bien. Je vais aller casser un peu de pierre parce qu'il m'en faut de la pierre. Ah ouais. Il en faut peu pour être. Tiens, il y a de la Ah oui, il y a du pain. Il y a de la viande crue au frigo. C'est toi qui l'as mis? Ouais, ouais, je sais. J'ai déjà tout fouillé. Il y a juste une porte en métal qu'on va pas péter maintenant, qu'on va péter un peu plus tard. Ouais. Pour une seule et bonne raison, parce qu'à l'intérieur il y a un coffre fort avec soit des pièces d'armes ou soit une arme à feu. Et donc du coup on va le péter un peu plus tard. Je vais mettre des torches aussi, comme ça j'éclaire l'intérieur de la baraque. Les torches, tes torches tu les fous au rez-de-chaussée. Ah. Tu les fous en bas, en haut on va foutre que des bougies. Ah, on va mettre des bougies en haut. Voilà, en haut ça sera des bougies et en bas ça sera des torches. Parce qu'en fait les torches ça réchauffe plus que les bougies et ça éclaire beaucoup trop. Sachant qu'en haut il y aura déjà le feu de camp, la forge. Ah oui, on a trop chaud, ah ouais, ok. Donc vaut mieux mettre les torches au rez-de-chaussée. En bas. Voilà. Et en plus, et ce ça qui éclaire bien, c'est que là, c'est pas une maison qui a été. C'est pas du bois brûlé, c'est directement du bois double, du bois renforcé. Du coup, c'est pas besoin de le renforcer plus que ça. Tiens, l'armoire à pharmacie, tu l'as déjà fouillé. Que tu me passes tes structures en bois. J'en ai quelques-unes, ouais. Alors attends, je suis au rez-de-chaussée. Il va falloir que tu me les passes. Si je l'ai. La clé à molette, je la garde sur moi parce que quand j'irai me balader, on aura affaire au. Alors, je vais. Tiens, je les mets par terre là, les structures, elles sont par terre. Devant moi, au rez-de-chaussée. Hein. Voilà. Tiens, par contre, tu t'es fait un coffre? Parce qu'il me faut un coffre. Je vais me faire un coffre là. Non, attends. Le canapé, détruit-le. Ça donne. À savoir, bon début, quand vous commencez à jouer à Seven Days to Die et que vous pillez des maisons, détruisez les canapés. Ça vous donne du cuir. Ce qui est pas vraiment indispensable, on va dire. Ouais. Et en plus de ça, vous avez du bois. Donc si vous tombez dans une ville dès le départ. Détruisez le canapé. Parce que c'est plus facile de chasser le cuir de canapé que le cuir de chevreuil, hein, je peux te dire. Donc, sinon, à part ça. Sachant que je suis déjà assez bon chasseur, puisque j'ai plus de 24 heures de jeu sur ma partie solo. Ah ouais, t'as eu le coup de main pour le tir dans la tête, ouais, parce que j'ai vu que tu te débrouillais bien. Bon, alors attends, moi je vais me fabriquer un coffre là. Tu t'es vidé pour l'instant? T'étais pas encore vidé? Non, je suis en train de faire le feu de camp là actuellement. Feu de camp. On va déjà pouvoir se faire un champ de maïs. Ah ouais. À savoir que le champ de maïs c'est. Bah, ça sert à rien, mais c'est quand même utile au cas où qu'on sera en manque de bouffe. Le coffre, tu l'as mis où ton coffre? Je vais mettre mon coffre là, dis-moi où on pourrait mettre le coffre. Attends. Bah, les coffres, on va les foutre là à côté, ici à côté de l'armoire. Ouais. Bon, je vais mettre le mien là. La table, je vais la casser parce qu'elle prendra trop de place. Donc, tout ce qui sert à rien pour l'instant, ça servira plus tard. La colle, on a du charbon pour faire des torches. Les balles, ça sert à rien. Les chargeurs, les os. J'ai une bougie. Bah tiens, je vais pouvoir placer une bougie. Ça servira à faire des bombes, on a un chapeau en plus. Les conserves vides, ce sera du métal, mais je vais les garder là. J'ai une autre astuce aussi. Alors je sais, pas tout le monde le sait celle-là, c'est une petite... pas beaucoup de gens le savent. Alors quand vous jouez à Seven Days to Die et que vous tombez sur des garages, mais vraiment des garages où les voitures peuvent rentrer dedans, fouillez-les extrêmement bien et repérez si vous voyez pas une lignée de plaques de métal. Parce que si vous la voyez, ça veut dire qu'en tout, il y a un abri souterrain. À la Fallout 4. Ouais, c'est ça. De règle à Fallout. Alors, attends. En fait, il suffit juste de péter les plaques de métal et vous avez accès à l'abri. Bon, aussi, il y a une porte de chambre fort à casser et tout autour de la porte, c'est que du béton. Et on pourrait pas en trouver un, justement? Bah, si lors des explorations, on en trouve une, bah, on montrera aux gens. Sinon,
ils devront trouver par eux-mêmes. Bah, moi, oui, je suis mais justement, dans ma partie solo. on est sur une map nave game là, donc c'est la même map pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, elle est un peu différente pour tout le monde. Elle est un peu unique en son genre parce que les emplacements des trésors sont pas au même endroit, ainsi que l'emplacement des villes. Sinon, c'est à peu près la même taille de carte et il y a les mêmes choses. Ouais. Par contre, est-ce que t'as de l'eau bouillie là? T'as de l'eau à faire bouillir? J'ai mis une casserole. Profite. Non, mais je vais la mettre. T'as de l'eau? Fais bouillir ton eau, j'ai mis la casserole. Et puis, moi, je vais faire des torches. Ah, par contre, il manque du bois. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de bois. Bah, j'ai du bois, tiens. Aussi, attends. Savoir que, j'ai une chier de bois. Quand vous avez fini d'utiliser le four, enfin la forge ou le feu de camp, et que vous avez récupéré tout ce que vous avez foutu à l'intérieur, désactivez le feu. Comme ça évitera de consommer votre bois bêtement. Bah oui, on va pas laisser le brûler. J'ai du bois à gogo là. Attends, sors du feu. Je vais. Ah bah t'en as mis suffisamment, bah ça va. En attendant. Je tiens, peux renforcer. Les mettre à comme tu vois actuellement. Tu veux que je les renforce? Parce que j'ai une chier de bois moi. Ouais, vas-y. Attends, pas en métal quand même. Je vais couper un peu plus de bois. Les gros arbres, on va les laisser, on s'occupe juste des petits arbustes et des plantes mortes. Parce que les gros arbres, on va attendre d'avoir la hache en acier ou en fer et ouais. On va voir que le bois, on va en dropper du. Ouais, il va se récolter mieux. Ça va être nickel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en attendant? Tu crois qu'on pourra aussi creuser des trous, faire des défenses, faire des pics? Non, pour l'instant, ça sert à rien. Jour 1, il y aura jamais de zombie qui va nous attaquer pour l'instant. Ouais. On s'occupera plus de la défense jour 3 ou 4. Parce que on aura plus de matos, mais là pour l'instant c'est plus l'exploration qu'on va privilégier. Voilà. Je vois ton eau à bouillir. L'eau est en train de bouillir. T'avais mis beaucoup d'eau à bouillir. 14. 14. Ok, bah ça continue alors. Ouais, tiens, en attendant, 14, les œufs aussi. On va pouvoir faire bouillir les œufs. Les œufs au bacon. Non. Non, les œufs, il faut de la viande crue. Pour l'instant, laisse-les dans le frigo. Laisse tout ce qui est bouffe dans les frigos. Ouais. Et tout ce qui est tout le reste dans les placards. Parce que on a les œufs, voilà, on a de quoi faire la viande. On a la viande crue, on a les œufs, on a de quoi faire le truc au bacon là. Œuf bacon. Ouais. Par contre, il va falloir que je boive quand même. Je vais casser les escaliers, moi. Moi, j'ai une soif et voilà. J'ai une faim. Hop. Ah, je remonte un coup ma flotte. Je mets la flotte au frigo comme ça si on cherche. Ouais. De toute façon, j'en ai déjà 5 sur moi et puis. J'ai combien de points de compétence? Putain, moi je peux pas. Alors, attends, ne gaspille pas tes points de compétence. Attends d'avoir 10 et utilise-les pour le survivant, pour Forest Court. Référence à Forest Gump. Alors, tout le monde l'aura reconnu. Ouais, bah je vais augmenter ça. Parce qu'en fait ça va te permettre déjà de que ta faim et ta soif descendent moins rapidement et ensuite que ton que quand tu cours tu peux courir plus longtemps. Donc comme ça moi ouais ça c'est la base c'est la base reste, de la survie. Ouais, voilà et puis le reste ça se fait automatiquement genre les outils ça se fait avec le temps et tout ça. Putain et moi j'ai un truc bugué là. Et si on trouvait un petit peu de glaise? Alors attends, est-ce qu'on peut trouver de la glaise là? Pour faire une forge? De la glaise? Ouais. Il faut trouver des bagnoles. De toute façon, il y a une route pas très loin d'ici. Ouais. Du coup, on va pouvoir. Alors je te suis justement, je me sers de la carte pour te revoir. T'es où là? De toute façon, je suis dans la baraque, hein. J'ai pas bougé. Ah oui, tu es dans la baraque, oui. Je détruis juste les escaliers parce qu'en fait, il y aura des spiders. Et les spiders, le seul moyen qui puisse monter, c'est utiliser des blocs pleins. Genre par exemple, là où je suis. Ah, t'es où? Bah, viens vers moi. Ah oui, tu pètes les escaliers, ouais, voilà.
Parce qu'ils peuvent utiliser les blocs pleins. Genre celui-là, ils peuvent l'utiliser. Bon, ils seront bloqués avec les escaliers, mais ils peuvent le monter quand même, les spiders. Oui, parce que le spider monte sur les blocs plats, en fait. Faut qu'il ait besoin d'un mur plat. Alors que l'escalier, il peut même pas marcher dans un escalier. Si, il peut monter les escaliers, mais si par exemple, il veut le prendre de côté, il pourra pas. De côté, il pourra pas le monter. Ah ouais. Et les échelles, par contre, les zombies montent tous les échelles. Ah oui, les échelles, ouais, mais un simple zombie. Bon, c'est pas très logique parce qu'un vrai zombie, il est tellement déglingué du cerveau qu'il a déjà même pas l'équilibre pour marcher droit. Alors encore moins tenir une échelle. Et les zombies peuvent monter aux échelles. C'est pour ça qu'en fait, là, tout le. Je pète les escaliers parce qu'on va foutre des échelles. Et en fait, je vais faire un petit sas et tout autour de la maison, on va faire une tranchée et on va foutre que des rondins de pics de bois. Comme ça, les zombies vont tomber dedans et ils n'auront pas moyen de s'échapper dedans. Ouais, bon, bah en attendant, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, j'ai des clous aussi. Alors attends, je vais poser des trucs. J'ai des clous, les clous qui serviront pour des crafts plus intéressants. Voyons voir. Donc moi j'ai mon petit coffre. Tiens, je vais mettre mon point de spawn aussi. Il faut que je pose mon sac de couchage hein, depuis le temps. Donc déjà ça les clous. Voilà. Qu'est-ce qui me sert à rien? J'ai un peu de cuir pour du craft plus tard. Des plumes. Je peux faire des mines terrestres. Les mines terrestres. Alors pour ceux qui se tentaient à faire les mines terrestres, parce que oui j'ai beaucoup joué à Seven Days to Die et oui je suis un peu un petit expert en la matière de jeu. Ceux qui tentaient à faire des mines terrestres dans leur partie, vous pouvez les faire, ça détruit que dalle. Tout ce que ça détruit, c'est le type qui marche à côté de la mine en fait. C'est tout ce que ça détruit. Donc si vous voulez aller foutre tout autour de votre base, vous pouvez. Ça fera un peu de dégâts sur le bloc, mais honnêtement, ça détruit que dalle. J'en ai foutu sur du goudron, j'ai shooté une flèche dessus et le goudron, il avait toute sa vie encore. Ouais, donc en fait, et puis niveau dégâts de zombies, ça tue un zombie ou plusieurs zombies à la fois? Ça tue tout un groupe de zombies, enfin tous les zombies qui sont à côté de la mine, ils meurent en fait. Ouais. Donc moi j'ai gardé des boîtes justement. Ouais voilà. Bah de toute façon passe les moi puisque je les ai trouvés. Ouais. Sinon, tiens, j'ai assez de métal, on va peut-être renforcer la porte là. Pour le rez-de-chaussée là. Attends, il se pète l'arbre ou quoi là? Il a bugué. Pété quoi? Ouais, pète les petits arbres. Ouais. J'ai pas mal de métal, il y aurait moyen de renforcer une porte en métal. Parce que là, il n'y a pas de porte. Non, ouais, voilà. Alors. Il y a quoi derrière cette porte? Avec ton métal, renforce les fenêtres. Les fenêtres du bas, tu les renforces avec du métal. Comme ça, les zombies pourront pas passer. Mais que les fenêtres du bas. Ah oui, les je vois celle-là. Ouais. On s'en fout. Voilà. Voilà, comme ça, tu les renforces que en plus 1. Plus 1, plus 1 ouais, ça le suffira. Plus 2, on le fera plus tard. Du coup, il me faut voilà. Porte en bois sécurisé. Quoique, est-ce que je peux faire une porte de métal? Bon, il y a encore des fenêtres là. Alors, il faut du fer forgé. Bon, on se la fera plus tard. Ah, j'ai plus assez de métal. Donc je vais peut-être péter ça. Les blocs, les petits blocs de bois, enfin de pierre, c'est eux qui donnent le plus de métal. Bon, là les, ça va. Les gros blocs, ça servira à rien. Ouais. Hop, voilà, la porte elle est là. Là, franchement, je vais user ma pioche hein, sur le panneau de métal. Voilà. Bon, déjà, la première porte elle est en métal renforcé plus 1. Ah oui, coup, oui. Ça sera nickel. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Nickel. Est-ce que. Alors pour les escaliers, comment ça se passe? Là au moins t'as condamné. Ouais, voilà, après je vais faire les échelles que par-dessus, comme ça on voit les zombies ils auront déjà plus de balles à passer. Est-ce qu'on pourrait avoir. De base, ils ont du mal à passer. Est-ce qu'on pourrait avoir un coffre en commun pour que je te mette du bois ou quoi? Je vais te donner du bois, tiens, je vais te donner du bois parce que je sais que tu vas être un. Ouais, bon, au pire, largue le bois et je le récupère. Tiens, regarde, par terre, là. Parce que je sais que t'en auras besoin, vu que... Bon, pendant ce temps, moi, je vais en profiter pour faire des vêtements en tissu. On va avoir besoin de ça. Alors, vêtements en tissu. Voyons voir, j'ai du tissu sur moi. Toc, composition. Ok, donc il en faut 6, donc du coup, 3 de plus. Bottes en tissu.
Casque en tissu, mais j'ai. Alors, par contre, on a déjà le casque sur la tête. Chapeau en fibre végétale. Gants en tissu, voilà. Jambière en tissu. Pantalon, c'est bon. Tu me dis, je peux te faire des bottes en tissu, hein. Gants en tissu. Je vais recycler au fur et à mesure. Jambière en tissu. Est-ce que... Dis-moi ce que t'as besoin en tissu. Qu'est-ce qui te manque? Tout? Non, laisse-moi la combinaison en fibre végétale pour l'instant. Ah ouais. Je me ferai le reste plus tard. Pour l'instant, moi, j'ai rajouté du tissu. Vous pouvez voir. Nickel, voilà. Est-ce que je peux réparer ce truc? J'ai utilisé tout le bois que tu m'as passé, donc... Ah ouais, t'as déjà utilisé... Bah, je vais aller couper du bois, alors. Je vais aller couper... Pas les gros arbres. Pas les gros arbres, ouais. Parce qu'ils nous rapporteront plus. Tiens, il y a du métal. On va garder le lampadaire quand même. On le garde le lampadaire, il fait pas mal de lumière la nuit. Oui, mais alors c'est ça. Le problème aussi de Seven Day to Die, c'est que la lumière attire les zombies. Ah ouais. Parce que le lampadaire, si je le pète, on aura du fer. Mais on perd une source d'éclairage. Mais c'est pas grave pour la source. De toute façon, on a le casque des mineurs. Donc on est déjà plutôt bien avec le casque des mineurs. Ouais. Là, tout ce qu'il faut impérativement, c'est passer des levels. Comme ça, avec les levels, on va pouvoir se craft. On va pouvoir se craft le reste. Est-ce que tu as des bandages d'avance? Pense à faire des bandages. Non, il faut de l'aloe vera. De toute façon, les bandages, j'en ai déjà 4 sur moi et j'ai encore le bandage médical. Pareil pour moi, ouais. J'ai même des poches de sang. Attends, je vais faire un petit essai de... Je vais creuser un coup là pour voir. La viande crue, garde-la parce que on va la garder avec les œufs. Le suif, la graisse animale, tu vas cuire pour faire pour les bougies. Voilà. Donc dans l'armoire à pharmacie, je vais mettre mes bandages et mes poches de sang. Ah, j'ai bien fait de pas la péter. Moi qui voulais la péter. Tout ce qui est dans la pharmacie, ça sera des soins. Ouais, des soins. En attendant... Bon, tiens, il y a du métal, là. Je crois que j'ai trouvé du métal. Attends. Le bacon et les œufs, ça attire les zombies. Donc, ouais. Si vous le faites, c'est bien. Comme ça augmentera votre bien-être de 1. Et dites-vous que ça attire les zombies, quoi. Ouais, c'est pour ça. Mais faut pas le mettre en raccourci, dans la ceinture, le bacon et les œufs, quoi. Mais bon, tu sais, toute façon... Si tu l'as dans le sac, même si tu l'as dans l'inventaire, ça attire les zombies direct. Tu sais qu'on n'est pas là pour avoir peur... On n'est pas là pour avoir peur d'attirer les zombies, parce qu'on attire les zombies déjà en temps normal. Rien que nous-mêmes, on attire les zombies. Non, oui, mais moi, de toute façon, je suis... J'ai l'habitude, je sais ce qu'ils font faire. Mais c'est juste pour les gens qui regardent la vidéo, qui se diront... moi, j'aurais bien aussi aimé faire du bacon et des œufs, et vu que ça augmente le bien-être de 1, dites-vous juste que si vous le portez sur vous, ça attire les zombies. Puisque le bacon, c'est de la viande et ça attire les zombies. Parce que là, on a pu voir tout à l'heure, j'avais pas de viande et de bacon sur moi, mais j'ai attiré énormément de zombies en début de vidéo, même juste avant que la vidéo commence, pour vous dire à quel point déjà qu'on les attire sans viande. Hein. Alors, attends, hop, toc. J'ai une pelle. Là, j'ai une chier de métal. Je vais pouvoir continuer à renforcer le reste. Ouais. Tiens, niveau flèche. Niveau flèche, j'en ai 23. Je pourrais peut-être aussi te fabriquer des flèches. Fais-toi des flèches en bois. Et si t'as des flèches des têtes de fer, fais-toi des flèches de fer. J'en ai aussi. J'ai des flèches de fer d'avance. D'ailleurs, on peut rester appuyé sur B pour sélectionner les types de flèches. Donc, j'ai 8 flèches d'acier. Voilà. Je vais finir mes vieilles flèches de fer déjà. Moi, je débroussaille un peu autour de la maison parce que je vais commencer à... C'est une bonne idée, j'étais en train de le faire au début. Ça permet d'augmenter le champ de vision au niveau du sol. On voit mieux hein, si on débroussaille les herbes. Oui, et puis même, en même temps, ça rapporte de fibres végétales et c'est pas négligeable pour la branche. Voilà, on a besoin pour tout. Résultat, ouais, ça se voit que t'as débroussaillé. C'est cool. Moi, je vais récupérer un petit peu de coton, là. Alors attends, coton que je vais récupérer à coup de poing parce que ça me permet de ramasser des fibres en même temps. Voilà.
Si dans la vie vous ramassez le couteau avec les poings, c'est soit vous avez un problème mental, soit vous avez un problème mental. Pas d'autre Bah chose. même, si vous ramassez vous coupez du bois avec à coups de poing dans un arbre, c'est que vous êtes fou ou que vous jouez à Minecraft, hein. Ouais. C'est ça aussi qui est bien dans Seven Days to Die, c'est qu'en fait quand tu tapes sur un bois, enfin sur du bois, tu récupères du bois mais Moins. vachement plus lentement que si t'aurais eu la hache. Ouais. Et en plus de ça, tu te fatigues plus beaucoup plus vite pour rien. Par contre, tu vois, il va commencer à faire. Il est 19h30 et à 22h, on va rentrer dans la nuit, quoi. Ouais, mais par contre, alors si vous vous posez la question, non, les zombies ne courent pas dans cette partie, parce qu'on a mis les modes de jeu, on a mis les règles zombies classiques. Et Voilà. comme dans les vieux films de zombies, les zombies ne courent jamais. Voilà. Ils vont C'est-à-dire pas, que s'ils courent bah, à pas le jour, 22h. ils vont pas se mettre à courir la nuit, hein. C'est pas parce qu'il fait Voilà. nuit qu'ils se mettront à courir, encore. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été peut-être plus Donc. logique, tu vois, des zombies qui marchent la nuit parce qu'ils voient pas où ils mettent les pieds et puis qui se mettent à courir le jour, mais là les zombies ne courent pas. Après, l'objectif principal de Seven Days to Die, c'est pas de survivre le plus longtemps possible. Ça, c'est l'objectif de tous les jeux. Ouais. Mais cet objectif-là n'est pas dans Seven Days to Die. L'objectif de Seven Days, c'est de trouver notre ami Noah. Parce qu'en fait, quand vous commencez une partie, vous voyez bien que vous recevez une lettre de Noah. Et il vous dit de le rejoindre dans la base protégée. Et en fait, cette base-là, il vous faut la combinaison que Protoc kiffe par-dessus tout. Ouais. C'est-à-dire la combinaison Hazmat. Ah oui. Et c'est cette combi-là qui va vous permettre de traverser le champ de radiation et de trouver la zone qu'il vous faut. Donc il y a une vraie petite campagne, un vrai petit mode histoire. En plus d'un jeu bac à sable, il y a un semblant d'histoire, quoi. Voilà. Et dans les terres brûlées, en fait, vous pouvez voir que les maisons sont toutes défoncées et tout est brûlé à cause d'un cataclysme. Alors le cataclysme, c'est soit guerre nucléaire, ce qui provoquerait aussi les zombies, soit c'est une épidémie. Enfin, pour l'instant, on sait pas trop. Les développeurs ont été un peu restés muets sur ce niveau-là. Alors, je vais pouvoir De renforcer toute des façon, dans fenêtres. la... Ah, et oui, et dans l'Alpha 15, puisqu'on a un Alpha 14 hein, pour l'instant, hein, Ouais. dans l'Alpha 15, il y aura des serpents. Ah bah ça va être cool ça. Est-ce que tu as mis ton sac de couchage là? Parce que t'as pas de point de spawn si tu meurs. Non, non, mais je vais le faire. D'abord, je préfère m'occuper d'abord de la baraque et Ouais, parce que de ça prend rester 2 secondes. là. Moi j'ai mon point de spawn. Et puis on va se laisser là les amis pour ce premier épisode. Ce premier épisode qui était dédié à la maison. Et puis ensuite on va faire un épisode spécial, bah, survivre à notre première nuit. Hein. Voilà. Quoi qu'on Bon, peut je continuer renforce un un peu peu le le jeu reste. jusqu'à temps qu'il fasse vraiment nuit. Ou Voilà, alors jusqu'à. Enfin, ouais, mais la nuit elle risque d'être assez longue quand même. Ouais, elle va être assez longue. C'est pour ça comment dire, ça fait déjà 32 minutes. On va se laisser là. Ça sera des épisodes de 30 minutes à chaque fois, 30 minutes et quelques. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à tout de suite pour l'épisode 2 avec Dead Far Cry. Voilà, salut à tous, c'était Protoxic. Salut!